Eh bien salut tout le monde, c'est Red People, j'espère que vous allez bien, bonne année à tout le monde, puisqu'aujourd'hui c'est le 1er janvier, et j'espère que vraiment cette vidéo va vous plaire, puisque c'est un putain de carnage, un double runner que je vous réserve, une gameplay réalisée sur Samagames, donc c'est leur nouveau jeu original, qui est vraiment extraordinaire, vous allez voir, donc là je vous fais un commentary en différé, donc cette vidéo sera envoyée à la chaîne communautaire de la Minecraft Community, peut-être à d'autres chaînes, on verra. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, vous pouvez voir que ici, donc, on a avancé un petit peu, on avait vu ces mecs spawner, donc c'était une équipe full fer, et j'ai dit aux autres potos, ouais, bon bah les mecs, laissez-moi faire les kills, ils sont que 3, et je filme. Donc ils m'ont fait, ok, on va le laisser faire la plupart des kills, donc comme ça, ça fera un bon gameplay, et vous allez voir, j'ai fait vraiment un gameplay de folie. Donc là, je viens de faire le full team. Donc c'était des full fer enchante, genre ils mettaient deux coups à chacun, ils crevaient. Alors j'étais en compagnie de Legendary Fifou et de Rixway, donc je décide vite fait avant que le fight continue. Donc voilà, on est la team noire pour un peu que vous vous repériez. Et là regardez, on affronte la team blanc. Donc j'ai un mec, bon bah, il était juste stuff sans casque et sans bot, donc j'arrive à tuer facilement. Et là vous allez voir, ça va devenir du grand n'importe quoi. On va un peu taper dans tous les sens, tous les trois, ça sera vraiment super drôle. Mais bon, en fin de compte, vous allez voir que quand même on va réussir à les tuer. Donc là hop, plus qu'un cœur à l'autre. Voilà, donc je le tue personnellement, après bon avec l'aide des autres. Et ici regardez, hop, voilà, encore un full team de ma part. Ah non, Rixway a pris un kill. Bon, on lui a laissé le kill puisqu'on est gentil. Vous allez voir, je vais vraiment faire un carnage. C'est, je pense, un des meilleurs gameplays que j'ai réalisé en double runner jusqu'à présent, puis la sortie du jeu il y a moins d'une semaine. Vous allez voir, vous allez sûr kiffer. Donc voilà, je vous ai mis quelques accélérés au moment un peu chiant où il se passe rien, et quand on s'arrête d'accélérer, bah logiquement, il y a du monde. Voilà, par exemple ici, il y a la team bleue, donc on va se faire assez facilement, vous allez voir. Hop, premier kill de ma part, donc là ça va être suivi de Rixway qui fight un mec, donc moi j'arrive en ramasse. Puisque lui devait un peu régène vite fait, et là hop, voilà, le mec il commence un petit peu à spambo, ça c'est le genre de truc qui me saoule, donc je contourne par l'arbre et j'arrive à le buter. Donc ça c'était vraiment un truc extraordinaire, facile, extraordinaire, c'est pas extraordinaire, c'est juste super facile à faire, contourner par un arbre, voilà. Hop, un mec en fer et diams, bon, quand vous voyez qu'on a les popos de force et popos de speed, les mecs ils peuvent presque rien faire en face. Après on n'avait pas la faire résistance, qui est pourtant facile à avoir avec les blocs de quartz. Donc oui, alors le double runner, pour ceux qui savent pas, c'est un oula, attention, équipe jaune. Donc c'est un nuage Sheron en deux fois plus rapide. Donc ça c'est cool, vous avez des blocs de quartz en fait qui apparaissent au lieu d'avoir des nether, donc qui apparaissent dans les mines et qui vous donnent des potions. Voilà, donc là je viens de kill à encore un mec, donc ça me fait un total de 9 kills, vraiment énorme, 9 kills, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Donc là je vais tenter le 10 kills avec les poteaux. Donc on va tout faire pour que je puisse avoir le 10 kills, ce qui pourrait être vraiment être extraordinaire. Et hop voilà, donc j'essaie de me faire le mec orange, et là regardez, il y a toute sa team qui se ramène. Donc mon but c'est de fuir, mais grâce à Legendary Fifou, donc j'arrive à maintenir en vie. Et là regardez, ce mec il reste plus que 3 HP, je lui mets une flèche et malheureusement il avait régène. Alors avec le power 2 j'aurais pu vraiment lui mettre un cœur par un cœur, donc ça aurait été cool, tu vois, j'aurais descendu à 0,5 cœur. Et malheureusement il a eu le temps de régène, donc j'ai pas pu le kill. Bref, alors, du coup, hop, je vais un peu me barricader. Là, je laisse les deux un peu fight. Et ce qu'on va décider de faire, c'est d'aller en retrait puisqu'il y a la bordure. Donc, je suis toujours à 9 kills, ce qui est un peu malheureux puisque moi, je m'en dis kill, hein, tu vois. Les autres, ils ont aussi fait du kill. Je vais vous dire un peu leur score à la fin de la partie. Donc, alors, hop, voilà, je tire à l'arc histoire de protéger mes poteaux. Donc, voilà, je régène vite fait. Il y a LG qui arrive en compagnie de Rixway. Voilà, la bordure. Donc, ce qu'on décide de faire, c'est d'aller sur la petite île qui a juste en face. Voilà, et celle-là. Donc la petite vache que j'ai butée, même pas, oh, je la bute pas, elle a eu de la chance. Bon bref, voilà, ça va continuer à fight contre les bleus clairs. Et là, hop, ça devient vraiment aussi du n'importe quoi, comme un peu avec les blancs, mais sauf que là, je sais où je tape. Et malheureusement, vous allez voir que la tâche va pas être facile, puisque là, la petite poison qui est bien. Alors, le gameplay a été réalisé après la mise à jour des doubles renards, donc ça, c'est vraiment super cool. Donc, hop, donc les poisons font plus beaucoup de dégâts. Avant, elles restaient 1 minute 30, je te jure, tu pouvais pas jouer. Et là, elle dure plus que 8 secondes, donc bref. Le fight continue, donc Rixway qui arrive à tuer un bleu clair, et là regardez, deux bleus clairs qui me collent contre la bordure. Et ça va malheureusement mal finir pour moi, vous allez voir, donc là je vais prendre quelques coups, et je vais malheureusement mourir. Donc c'est vraiment super dommage, j'aurais pu faire le 10 kill, je suis vraiment super dégoûté, mais bon, j'avais une team de malades, les deux mes autres, donc LG et Rixway ont réussi à tenir, donc ce qui fait qu'ils ont gagné. Alors ils ont fait 5 kills chacun, et nous, on a fait, et nous... Bah plutôt moi j'ai fait 9 kills, donc ce qui fait un total de 19 kills, ce qui est vraiment énorme les potos. Alors je crois qu'on était une vingtaine au TP, donc ce qui est vraiment super. Attendez, je vais vous dire ça.
Donc voilà, donc avec Maxime, donc LG, Eric Sway, on a fait un total de 19 kills sur 28 joueurs. Donc j'ai regardé OTP, on était 28 joueurs, donc on a fait la plupart des kills de la partie OTP. Ce qui est vraiment extraordinaire et énorme pour une team. Donc j'espère vraiment que ce gameplay de ouf vous aura plu. Sur ce, c'était Red People, je vous dis bye bye et à très bientôt tout le monde, salut salut.